Je vais en mettre des petits strips. J'ai mangé frit. Ça prend moins dans le temps de sortir la vidéo. Comment? J'ai dit que pendant que je suis assis, je m'enregistre avec la petite. Ah, c'est vrai? Ouais. Pour sortir dans le temps, on sort toujours les vidéos. La ils aiment pas les voir, mais ouais. Ils aiment pas les voir, mais bon, on sort toujours pour s'amuser. Je vais pas mettre devant. Hein. J'ai eu des maintenant, mais une vidéo qui vient comme ça par hasard. Moi, je vais rouler ça un peu la tête parce que je sais pas si on montre ça. La couleur là, tac. Oh chérie. Touche. Oui, j'avais une bidule là. T'es bien ou c'est grave, ouais. Non, c'est bon. Coucou, c'est papa. Coucou. Sinon, je me dis qu'il faut que je passe un petit poil de rose. Je vais vous en mettre deux épaisseurs. Okay. Ah, moi j'ai pas du longtemps. Hein. Toi, tu iras faire polytechnique. C'est pour ça qu'on vient tous les jours. C'est plein de blagues, papa. Qu'est-ce qu'il raconte?
ça dans les bons vins très légers. Bah, je crois que c'est dit pourquoi. C'est vrai que c'est compliqué quand même. Entre le collège et d'arriver au lycée, même pour faire un bac ou trois, il y a beaucoup de jeunes qui arrêtent la vie avant. Ah bah, ils décrochent. Ouais, c'est un combat tous les jours. Est-ce que c'est bon au niveau de la prise, c'est assez haut pour vous? Vous êtes bien? Ouais, c'est bon, ça va. Ça va, les murs, ça va faire. Les murs, ça va faire. Chaque jour pour venir, chaque heure, chaque. Mais tout est rendant, quand on prend les roues. Merci à l'infirmier. Hein? Viens, tu vas te faire l'infirmier, là tu vas t'occuper de papa. Tu vas me faire manger, on va être content. Qu'est-ce que t'en penses? Tu dois me rendre vite. Dès que je règle mieux le. Oui. On la voit en priorité ou tous les deux, vous pouvez en priorité, c'est bon. Non, on la voit pas. Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Elle prend sa position et la partie finit, moi, comme il faut. Voilà. La prochaine fois, j'aimerais ta soeur. Si elle est sage, elle est sage. Si bon, m'embête pas avec son iPhone. On m'embête avec son iPhone, cette fois, je l'ai pas amené, elle voulait venir. 3 heures, l'iPhone. Ah non, tu viens pas avec moi. C'est. Elle aurait parlé que de ça. Exactement. Oui, voilà. Quand ils ont une idée en tête, ils lâchent pas. Hein. Je trouve qu'il y a des téléphones aussi bien. Non, c'est pas l'histoire de l'iPhone, c'est même quand tu prends un téléphone tout seul, il suffit qu'il aille sur internet et la nuit, à minuit, tu les vois en train de tabloter SMS. Et là, c'est pas croyable, et demain, tu passes dans le coin à 8h. Et j'étais obligé de prendre son téléphone et de le laisser au bureau. C'est ton caisse quand même. Ouais, il y a des téléphones pas chers. Ouais. C'est au moins, elle fait pas le CBS, le Bluetooth, non, Facebook, etc. À l'heure de matin, bon. Ouais, t'es pas dedans. Après, je vous laisserai ramener son goûter. Ouais, comme il est seul. Ouais, j'essaierai d'y penser, je vais le faire. Mais de la forme, elle me donne un truc, j'ai oublié après. Je vous le mets à côté de votre téléphone. Voilà, impec, super. Alors c'est quoi ton 84 que tu fais là? C'est la sonde ou c'est toi? Tu remontes tout seul? T'en es où? Oui, elle remonte. Okay. Ça arrive que de temps en temps elle fasse des petites désaturations. Attends, je vais prendre ta petite topache comme ça, si tu fais des bêtises. Moi, je vais te calmer ta topache. Merci, tiens, topache. Tu l'as vu, non? Tu vois pas, tu me dis. Je comprends, ouais. Et papa, il regarde encore des animés, hein. T'as de la chance. Hein. La scène des années 80. C'est pour se détendre. On va regarder ton lit ensemble. T'es vite, toi. Aujourd'hui. Là, je te prends, tu dors. Là, tu es bien grand les yeux, super. Danser. Totoche ou pas Totoche? Titine ou pas Titine? Tu veux la Titine? Qui veut la Titine? Qui veut la Titine?
Ouvre la bouche. Tiens, la tétine. Non, pas tétine, elle va pas. La tétine. Bon, je vous laisse avec elle. D'accord. Je reviens dans... Il est 20. Dans une heure. Dans une heure. Ouais. Je ne dois pas dire mon travail. Faut qu'il fasse à 8h du matin. Hein. Faut qu'il aille te faire à l'école. Hein. À part si vous avez un programme un peu avant, c'est vous qui gérez. Oui, oui, oui. Si vous voulez la mettre avant pour gérer toutes les techniques, vous venez avant, pas de soucis. Je vais voir. Voilà. Je vous gérez comme vous voulez, pas de soucis. Nickel. Ok. Ah, ben, vous pouvez laisser Agnès à partir si ça pose problème pour les filles, non? Non, non, non. Non, c'est pour avoir la meilleure image. Merci. Merci. Sinon, l'autre, on verra tout noir. Tu être déjà noir, comme dirait, tu seras noir. C'est qui est dans les bras? On voit pas. C'est des blagues des années 80. Petit bébé, mon chéri, tout va bien. T'es avec papa. Vous avez vu, c'est mon chéri. Elle est avec son papa. Nour chérie, qui est avec son papa. C'est super. Yop la boum. Petit lapin, pas son papa. Yop la boum. Bada boum. Yop la boum. Bon, ça fait 5 ans, 1595. Mais alors toi, c'est papa. Ouh, qu'est-ce qui se passe, ma petite chérie? Hein? Ouh, tout. Tout ce chemin parcouru. T'en as parcouru du chemin? T'en as parcouru du chemin? Mon petit lapin a bien du chagrin. Maintenant il n'en a plus. Il saute dans son petit jardin. Gentil alouette, cacahuète, alouette, cacahuète. Allez, ça va aller, du courage, chérie. Hein? Tu vas gérer ta respiration, ça va bien se passer. Alors ça va? T'as plus de masque, hein? Tes yeux, ils ont dégonflé, là. C'est super qu'il te traite ton papa. Un petit câlin avec papa. Ia, ia, oh. Un petit câlin avec papa. Ia, ia, oh. C'est super, j'ai fait la douche. Ia, ia, oh. Avec maman, avec moi-même. Ia, ia, oh. C'est super, j'ai ce. Dommage, t'amènes ta grande sœur. Si elle est sage. D'accord? Si ta grande sœur est sage, je vais te l'amener. Comme ça, elle va nous faire une belle vidéo, toutes les deux. Petit câlin avec papa. Ia, ia, oh.
C'est super, il fait des chansons. Ia, ia, oh. Petit câlin avec Taro. C'est super. Ia, ia, oh, oh. 1 kilo, tu pèses combien? 55. 1595. Oh, t'as pris des poids, je sens ton poids là. Je le sens bien. Ton poids, je le sens. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da.
C'est papa qui est là avec toi, mon papa à moi, il est là avec moi. Repose-toi, tout va bien, ma petite chérie, tout va bien. Est-ce que je devrais m'inquiéter ou pas? Titine ou pas titine? Titine ou pas titine? Ça va aller, chérie? Est-ce que ça va aller, chérie? Oui, ça va aller. Ça va aller, ma petite chérie. Ça va aller, ma petite chérie. Ça va aller, ma petite chérie. C'est papa qui est là à côté de moi. C'est papa qui est là à côté de moi. Ça va aller, ma petite chérie. C'est papa qui est là à côté de moi. Ça va aller, ma petite chérie. C'est papa qui est là, à côté de moi. Ça va aller, ma petite chérie. Ça va aller, ma petite chérie. Papa, il est là. Papa, il est là. Ça va aller, ma petite chérie. Ça va aller, ma petite chérie. Papa, il est là. Ça va? Ça va. Elle arrive pas à s'endormir? Et si, on a qui commence. Est-ce qu'elle a bien ses lunettes dans le nez? Est-ce qu'elle est laissée, tu vois? Je me disais, avant c'était pas comme ça. Comment ? Avant, on faisait des tests de 3 heures et puis les satellites, c'est plus le temps. Je vais essayer de la redresser un petit peu pour qu'elle désature un petit peu. Mais c'est vrai qu'elle est seule. Ah oui, c'est vrai que toute la journée qu'elle a ça. Hein. Tandis qu'avant, c'était juste que toutes 3 heures. Bah, ouais. C'est juste. Et à un moment, c'était que 3 heures. Après, on a augmenté, c'était la journée. Ok. J'ai l'impression que dès qu'elle est réveillée, elle désature. Oui, exactement. Du coup, on va essayer qu'elle s'endorme. Il y a une limite qui n'est pas bien, hein. On va la désaturer à 82, 80. Ah, il ne faut pas trop que ça. Oui, c'est pas super. Il ne faut pas. Si c'est transitoirement, ça va, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Ça va être un petit peu.
J'augmente pas l'oxygène parce que j'attends qu'elle s'endorme et si jamais. Ah, il faut augmenter avec la. Oui. Le truc est là, ok. On va essayer qu'elle s'endorme comme ça. Ça va aller. Ok. Vous pouvez venir là, deux secondes. Si je vous posais une question, et si je pourrais être sûr. Le bruit qui est fait là, c'est juste qui est fait. C'est des signes de lutte ou c'est des signes juste. Vous comprenez? C'est juste le. Juste la respiration. La respiration? Ça peut être des signes de lutte, mais c'est pas. On se base pas que par ça, mais c'est normal qu'elle fasse un petit bruit. Ah ok. Là ça se verrait Oui, il y a plein de signes. Qui verrait? Oui, il y a d'autres signes. On voit. Ok, ça va. Je dois dormir tranquille ce soir. Non, mais ça quitte pas. Ok. À tout à l'heure. Papa, il est là. 1595. Non, il y a la bouche, hein. Tu peux faire les yeux. Et la bouche aussi.
Ça marche aussi bien, la bouche et le nez. Pourquoi tu fais pas Polytech à la chaleur de la Cuba du Nord, hein? Infirmier, médecin, docteur, pédiatre, sage-femme, cardiologue, la plein métier, là. Tu donneras ce qu'on t'a donné? Tu feras donner la chance à d'autres enfants, comme on peut donner la tienne? Petit bébé chéri, c'est papa qui est là. Petit bébé chéri, c'est papa qui est là. Petit bébé chéri, c'est papa qui est là. Oh, darling. Le 6 décembre, tu pèses 1580. Le 7 décembre, tu pèses 1595. Tu as pris 15 grammes. Il y a peu de temps, tu pesais 1265 grammes. Tu as pris 300 grammes en pas beaucoup de temps. Puis tu prends 150 grammes par semaine. En maxi, 150 grammes par semaine. T'as 3 semaines, ça te fait combien de grammes? 450. Tu rajoutes aux 1550. Et ça te fait 2 kilos. Maintenant, si tu prends, t'es à 1600, on va dire. Là, t'es à 1595. T'es à 1600, on va dire. Il te faut 2 kilos. Il te faut 2 kilos, chérie. 2 kilos, 2 kilos, 2000 grammes. Tu divises ça par... Donc, il te manquerait alors 400. Tu divises ça par 3, ça fait 130 grammes. Tu prends 130 grammes par semaine. Une moyenne par jour divisée par 7. 7 fois 20, 20 grammes par jour. Si tu prends 15 à 20 grammes par jour, dans 3 semaines, tu peux arriver à 2 kilos. Dans 3 semaines. Dans 3 semaines, ça te fera 37. 34e, 35e, 36e. Et tu as atteint tes 2 kilos. 2 kilos, chéri bébé. 2 kilos, c'est papa qui est là. Chéri bébé, c'est 2 kilos. Papa chéri. Papa chéri, c'est papa qui est là. Papa chéri, papa chéri, c'est papa qui est là. Dodo, mon dodo, chéri dodo, c'est papa qui est là. Avec toi, c'est chéri. Qui papa fait dodo, enfant dodo, mon petit lapin. Pourquoi es-tu à 83? Faut remonter tout ça, chérie. Dynamique. Dynamique. Nour. 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 Nour, moi la foule, Fatima, parler des hommes.
Quand est-ce que tu redeviens dynamique, là? Non, j'y vais. Dynamique-moi tout ça. Dynamique-moi tout ça. Do, do, enfant do, tu dormiras bientôt. Do, do, enfant do, fais la fête à la maison. Do, do, enfant do, fais la fête à la maison. Do, do, enfant do, fais la fête à la maison. C'est la fête à la maison, c'est la fête à la maison, c'est la fête à la maison, à la maison, c'est la fête. On va faire ta fête de Noël et du 31 décembre. Et c'est bientôt Noël là, c'est le 25, c'est dans 3 semaines, même 16 jours c'est Noël. Bientôt c'est Noël. Hein? Noël, c'est la naissance du grand Jésus. On va pas dire des petits jeux, c'est du grand Jésus. Il est né le 25 décembre. À minuit. Le 24 décembre à minuit. Le 25 décembre. 7. Donc dans 18 jours, c'est Noël. Dans 14 jours, demain on est 8. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et on s'aimera encore. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de tes liens. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore, tant que l'âme sera. Toute la vie sera pareille ce matin. Donc, tu es né le 29 septembre et tu pesais 550 grammes. Ton périmètre crânien était de 20,5 cm. Waouh! Et tu, ta taille était de 28,5 cm. Taille, le 6 décembre, 35 cm. PC, 28 cm. Tu as pris 8 cm et demi de taille. Te rends-tu compte? Tu as pris 6 cm et demi de périmètre crânien. Te rends-tu compte? Alors, tu peux voir, combien survit pour cet événement? Tes infirmières, Margot, Nathalie et Dorothée. Nour, Mona, Fouara, Fatima, Ali, Bilal. C'est ton nom. Nour, Mona, Fouraha, Fatima, Alibéna. Que le bon Dieu veille sur toi. Amen. Alors, alors. Tan 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 t
C'est papa qui est là avec toi. Il te voit, il te regarde. C'est papa avec toi. Il te voit, il te regarde. Thank you.
assez vite fait que. Mon Dieu. Non. Alors, on va parler de tes grand-mères. Ses grand-mères, une chienne arrière qui a eu trois filles et un garçon. Coco Barima, Masaïdi, Mali, José Marie. Masaïdi qui a eu deux garçons, Saïd et son autre frère que j'ai tout en tête. Saïd qui a eu trois enfants. Youssouf, son deuxième frère, frère de Saïd, qui a eu trois enfants. Ensuite, tu as Mali qui a eu deux enfants, Jeannette et Ali. Ali qui a eu huit enfants. Et ces huit enfants, ils ont eu au total 25 petits-enfants. Papa, il en a eu 5 avec Nour, Mohamed, Myriam, Zaed, Ahmed Saïd, Yasmine et Lille. Et j'en commence du plus grand au petit. Myriam, Mohamed, Zaed, Ahmed Saïd, Yasmine et nous. Madame Fouara, Fatima, Ali et Nali. Ensuite, Zalata, elle a eu trois enfants. La plus grande, c'est... Pourquoi ? Papa est fatigué ? La plus grande, c'est... C'est ma petite chérie. Comment ça va, ma petite chérie ? Moi j'ai un trou de mémoire, elle va en vouloir. Bon, il y a Farès et Férouz. Iman, la plus grande. Zakia, elle a eu 4 enfants. Mathéo, Emrys, Liwan et Naël. Idriss, il a eu 2 enfants. Sarah. Neila, Ali et Ibrahim. Ibrahim, Ali Guy, Noam. Et Hassan, il a eu 6 enfants. Les 3 que je connais, que je me souviens. Et c'est 6 enfants, 3 femmes différentes. C'est Noah, Myriam, Elia, et les 3 autres. Ça ne vient pas, mais ça reviendra peut-être. Achmila avec 2 enfants. C'est Babylone et son frère. Son frère, son nom n'en vient plus en tête. Na, ça me reviendra. Mais c'est son frère. Gentil, mais il faut qu'il travaille. Ensuite, Sadia a eu 3 enfants. 3 enfants. Dont 2 adoptifs. Qui comptent quand même, parce qu'ils étaient avec nous pendant toute leur enfance. Donc il y a Eddie,
chez Lily, Lina, et les deux, et la dernière, les deux autres enfants adoptifs, la dernière ou les autres enfants. On va dire quatre, parce qu'on a quand même beaucoup compté. Quatre enfants. Cinq enfants, parce que ça va jamais. Donc, le royaume total de 25, 26, 80. Tous ces petits présents qui vont venir, avec l'aide de Dieu, venir s'amuser avec toi. Et du côté de ta mère, tu as tonton Jafar, qui a trois enfants, dont un que je connais qui s'appelle. Ça vient plus en tête. Manfoud et ses deux sœurs. Ça t'en fait trois. Donc tu as au moins 28 cousins proches. 28 cousins proches plus une douzaine d'autres. T'as 28 cousins très proches, plus une douzaine d'autres proches, du côté de ta grand-tante, la sœur de ta grand-mère. La sœur de ta grand-mère, du côté de ta mère, elle a au moins 6 ou 8 enfants qui ont chacun plus ou moins 3 ou 4 enfants. Donc, t'as des cousins proches. Très proche. Et proche. Donc tu as au moins une quarantaine de cousins très proches. Une cousine. Très proche. Sans compter du côté de ton grand-père, qui a eu une grande sœur, qui a eu des enfants, qui ont eu des enfants. Donc tu dois avoir une cinquantaine de cousins très proches. En Afrique. Du côté de ton grand-père, qui a eu une sœur qui s'appelle Samia, qui a dû avoir des enfants. Ses enfants ont eu des enfants. Il est élevé par tes deux cocos. Coco, tes deux arrière-grand-mères, Coco Boarima et Coco Mali. Que mon Dieu leur accorde la miséricorde. Tout ce qu'ils ont fait avec leurs petits-enfants. Les petits-neveux, surtout. Et partout dans la vie. Et voilà ta famille. Et voici ta famille. Je te l'ai nommé. Te l'ai cité. Il est 28 ans. On a tout le temps. On a passé beaucoup de temps ensemble. 7h, 21h. Ça ne fait que 2h, on va faire 22h. Voilà, Deli. Partons pour le tango, Titi. Ce sera rigolo. Ah ah. Oh là, Deli. Partons pour le tango, Titi. Ce sera rigolo. Ton frère Mohamed, il faut qu'il fasse ses devoirs. Hein? Faut que je cours après pour qu'il travaille. Ta sœur, elle est folle des portables. iPhone 6, iPhone 7. Ça, c'est Myriam. Yasmine, elle a toujours un petit cadeau. Ahmed Saïd, il lit pas assez le courant. Faut le gueuler dessus pour qu'il lise, tous les quatre. Il y a un problème. Ils vont à l'école coranique, ils apprennent que du par cœur. Ils savent même pas ce que c'est qu'un lacouba du vent. On n'a même pas dit ce qu'on a dit. Au bout de 4 ans d'école coranique, t'as rendu compte? 4 ans d'école coranique, ils savent même pas ce que ça veut dire.
Moi qui n'ai pas été à l'école, qui sait. Et en plus, ils ont, ça passe que c'est qu'on avait son père et sa mère. Le commandement de Moïse. On leur ton père est à mort. Ils ne savent même pas ce que c'est. Au bout de 4 ans de formation coranique, ils reviennent à la maison, ils ne savent même pas ce que c'est qu'on a ton père et ta mère. Tu les vois, yo. T'en rends-tu compte? J'ai beaucoup de travail avec tes frères et sœurs. J'ai pas fini. J'espère que tu me feras moins de soucis. Mais il n'y a pas de problème d'esprit, je l'apprends. Et quand on a plus d'espoir, on a moins de soucis. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. L'amour, ça se chante et ça se retient comme une chanson populaire. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse. Et ça se retient comme une chanson populaire. Là où tu vas, tu trouveras un soucis. Dans d'autres mondes qui rassurent. Mais le mot d'amour, ça s'en va et ça revient. Ça se chante et ça se danse. Ça se retient comme une chanson populaire. Un lundi au soleil, c'est quelque chose qu'on aura tous les deux. Chaque fois c'est pareil. Moi je vais prendre rendez-vous pour toi et moi. Un lundi au soleil, c'est quelque chose qu'on aura tous les deux. Je refais les paroles, car elles sont mieux pour toi et moi. Un lundi au soleil, c'est quelque chose qu'on aura tous les deux. Papa y refait les paroles. C'est rien pour lui et toi et moi. Un petit reggae night. Reggae night. And we come together to feel and white. Reggae night. And we come together to feel and white. Reggae night. Yes. Reggae night. And we come together to feel alright. Reggae night. And we come together to feel alright. Fun, love, reggae night. And we come together to feel the night, reggae night. Bon, j'en profite pour dire que je vous laisse mes bouquins, mes livres, ma bibliothèque. Tu veux que je te la fasse? Je vais la recoucher. Ok. Je vais juste que mon collègue va montrer comment fonctionne le maximum. Il faut quoi?
Le truc qui est au centre, il faut mettre une petite aiguille pour pouvoir cliquer, sinon on ne peut pas cliquer. Bon, alors on va faire autrement, parce que moi je ne mets pas de petit truc. Non, non, mais j'ai fait la belle. Non, la place, c'est bon. Ouais. Parce que là, c'est une prise ondulée. Donc, le problème, c'est que c'est pas vraiment très facile à. Donc, par contre, il ne faut pas l'éteindre. Oui. Il faut mieux lui enlever son capteur. D'accord. Tu vois, où tu le débranches. Du coup, il s'annule, enfin, que l'éteindre. Parce que parfois, quand il s'éteint, tu ne sais pas pourquoi, une fois sur 10, ça avait le réseau. Donc, là, tu as les flèches. Oui. Ensuite, tu vas sur les grilles. Ne me demande pas pourquoi c'est des. Sur les courbes. Ensuite, de nouveau, sur l'écriture. Oui. Encore une fois, tu as la corbeille, enfin, tu as la poubelle. Et tu demandes. Il te demande est-ce que tu veux bien effacer les tendances, tu dis oui, tu valides. Okay. Du coup, là, tu n'as plus rien. Ce qui fait que ça repart à zéro, en fait. D'accord ? Et quand je l'aurai branché Ouais, là, je peux l'éteindre parce qu'il n'y a plus rien. Okay. Elle est vierge. Et quand je l'allume, ça se met directement en route. Oui, alors après, tu règles juste tes paramètres. Si tu ne faut pas que lui sonne en plus du scope. Donc, en règle générale, on est au-dessus de 100. Comme ça, si jamais elle est réveillée, ça. Voilà, parce que tu es informé avec le scope. Et puis on met un plancher hyper bas de SAT en fait. On n'a pas besoin. C'est que la SAT qu'on régule. Ouais, mais tu peux régler le cœur aussi, tu vois. Ah, oui. Parce qu'au final, elle dit quand il capte aussi le cœur. Oui. Voilà, si jamais c'est mal positionné, du coup ça va sonner en doublon alors qu'on a déjà un avertisseur avec la centrale, donc c'est un peu dommage. Et du coup, je le mets là. Ouais, ben tu le mets là, et soit tu le mets ici, tu peux le mettre comme ça, à la verticale. Ouais. Ou des fois, les filles, elles mettent là. Et là, quand on a l'incubateur ouvert, c'est quand même plus confortable, parce que si on tire sur le fil, le massimo, il et fait ça, chaud. Et ça, tu mets comme ce dessin-là, plutôt. Alors, après, elle, tu lui mets soit sur le pied, soit sur la main. Tu enlèves bien cette partie-là, et puis c'est le même principe. Et après, j'en vois. Tu le dessin. Ouais. Le positionne pas comme ça parce que tu pourras pas entourer en fait. Tu vois, tu le mets bien dans le sens, admettons, là c'est le sens de son pied, tu le mets comme ça. Et t'entoures le pied comme ça. Donc je ne le mets pas des doigts de pied, du pied. Ouais, du pied. Pas de l'orteil, elle est pas assez grosse. Okay. Pas assez grosse pour prendre l'orteil. Enfin, l'orteil va être trop petit, ça captera pas. Donc du coup, mieux. Par contre, pense bien que le fil. Non, c'est autocollant. Il faut que tu enlèves la partie blanche, tu vois. Et c'est le même principe que l'autre, sauf que lui, il se positionne en V, comme ça. Bah comme ça, là, il va avoir ses doigts de pied là, je le mets comme ça. Imaginons, ça c'est, enfin, ça, c'est son père. Bah, par exemple, il met ton doigt de pied, tu le positionnes. Comme ça. Pour que ça puisse tourner. Si tu le positionnes comme ça, tu pourras pas. Non, tu pourras pas entourer. Tu vois. D'ailleurs, oui, c'est vrai que sur le dessin, c'est pas bien explicite. Parce que le truc, l'intérêt, c'est que comme elle va le garder pour 12 heures, l'intérêt c'est que dès que tu le colles bien, de ne pas le décoller pour garder l'adhérence. Tu vois, ce qui fait qu'après, quand elle bouge. Okay. Ton capteur il risque pas de glisser sur la peau ni au-dessus ni en dessous, ce qui fait que tu auras une bonne, une bonne analyse de la sac pendant les 12 heures. Okay. Pour ça, il faut bien te positionner dès le départ. Merci. Comme j'ai pas l'habitude d'utiliser cet appareil. Bon, elle finit par s'endormir. Je vais essayer de faire la réveiller. Ça va, vous ? Oui.